Est-ce que Monsieur Abdoulaye Diallo est là? Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur? Poula. Quel est votre nom? Abdoulaye Diallo. Vous avez quel âge? Dobidi. 1984. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. 1984. Où vous êtes né? À Dongoltouma Pita. Dongoltouma Pita. Quelle est votre profession? Liguede. Marchand. Marchand. Où vous êtes domicilié? Amdalaï. Amdalaï. Monsieur Gallo, dites au tribunal ce qui vous est arrivé. Ils sont partis au stade. Faites un effort. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Ils sont partis au stade, les militaires nous ont arrêtés là-bas. Ils nous ont envoyés au camp Kundara. Ils ont monté à l'étage là-bas. Ils nous ont envoyé là-bas le lundi. Mercredi. Nous sommes restés là-bas jusqu'au mercredi. On ne trouvait pas à manger. Et nous faisions descendre à chaque moment, nous bastonner. On nous versait de l'eau chaude. Ils montaient sur nous. Ah, ils nous ont bassonné là-bas très bien. C'est ce que nous a fait nous. Qui vous a envoyé au camp Kundara? On a vu un camp Kundara. Ah, béret rouge, bébé. C'est les bérets rouges. Est-ce que vous avez pu identifier ces bérets rouges? Au camp là-bas, on a reconnu le commandant Begré. Et sergent Paul. Sergent Paul. Et les Bérous qui sont là-bas. Et les Bérous qui sont là-bas. Où on vous a pris? Quand on a pris? Caca stade. Au stade. Est-ce que vous avez pu identifier, vous avez pu voir ceux qui vous ont pris au stade? Non, on n'a pas pu reconnaître ceux-là. Ils nous ont paqués comme ça, ils nous ont mis en bas, ils ont mis d'autres après d'autres, ils nous ont superposés comme ça et ils sont mis au bord. Ils ont envoyé. Ils nous ont envoyé comme ça. Ministère public des questions. Monsieur le Président, honorable associé, Monsieur Diallo, vous aviez été victime de coups et blessures volontaires au camp Kundara, c'est ça? Au camp Kundara, de Wadi Ondel l'était donné. Ah, camp Kundara. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal le mode opératoire? Si l'on voit expliquant des tribunaux, non, ne nous voir rien. Ah, on la voit, expliquer. Oui, je peux. Nous écoutons. Oui. Ah, des tribunaux, des piamens, 50 coups. On nous faisait descendre pour nous bastonner 50 coups. Ah, des hibamens, kadindia oula. Ils nous versaient de l'eau chaude. Ah, des jetakad, des jawa, ils montaient sur nous aussi. Ils nous faisaient pire qu'à d'entrer à main.
Et ils nous demandaient de se battre entre nous aussi. Non, mais ouais, non, mais... C'est ce qu'ils faisaient. Vous avez passé combien de temps au camp Kundara? Lundi ha et samedi bimbi. Je suis parti de lundi jusqu'au samedi matin. Quelles sont les raisons qu'ils ont invoquées quand ils vous torturaient? Quand on me voit là, on fait de me torturer ton coup, on voit du hondu. On voit Et puis, même, et demain, non, même. Moi, il nous disait, on va vous tuer, il nous, c'est comme ça, il nous bastonnait. Vous étiez nombreux? À Dondoudi. À Mérendoudi. Oui. Est-ce qu'il y avait des femmes parmi vous? À Rebenoton. Non, Rebenoton. Non, il n'y avait pas de femmes. Comment vous mangiez? On n'y a pas de Dondo. Mais lundi, comme il y a eu. Mercredi, 14h. De lundi, mercredi, 14h, on ne trouvait pas à manger. D'accord. Pendant ce moment-là, est-ce que vous avez au moins vu certaines autorités militaires qui venaient voir comment se passait cette torture-là? Oui, c'était sorry, mais nous avons eu une torture, on a fait ça. Ah, oui, ben, j'avais une torture. D'autres montaient là-bas pour regarder. Est-ce que, à part Begré, un certain Jean-Paul, hein, vous avez dit, est-ce que vous avez reconnu ou entendu le nom d'une autre personne, ne serait-ce qu'une autre autorité militaire? Oh, Sina Begré, il nous donne Paul Kadine, Sina Bendong, on a ni une des sorties Bego Kadi. Non. Dans un état normal, vous avez été arrêté au stade. On vous a conduit au camp Kundara. Et à cette occasion, vous avez été frappé, privé de nourriture. Les gens qui faisaient cela étaient apparemment très à l'aise en le faisant. Ils n'étaient pas du tout inquiets pour ça. Est-ce que cela ne traduisait pas une certaine protection des hautes autorités de la transition de l'époque pour leur donner un certificat d'impunité? Est-ce que haray lambe ben wonno ben deñande haray ina ben wadi ha be wadi dum don ko tawde be hadano be yo wadu dum? Oui. Si wolu ka micro. Oui. Si on vous reprochait certaines choses, à votre avis, on devait vous amener où? Si tu as un bon niveau, tu as un gandal, tu as un bon niveau. Mais il y a un police. Moi, on pensait que ce n'était pas dans les camps, peut-être à la gendarmerie ou à la police. Est-ce que jusqu'à maintenant, on peut douter que les hautes autorités, précisément le président de la transition de l'époque, n'étaient pas au courant de ce qui se passait dans les camps militaires? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des camps militaires? Les camps militaires sont des gens qui ont fait des camps militaires. Non, ils connaissent, ils savent. Alors, quand on... ils vous ont mis tout nu quand on mettait de l'eau chaude sur vous? C'est les pantalons seulement qu'on portait. Puisque vous avez été bastonné, humilié, on vous a privé de nourriture, est-ce que vous avez finalement compris le mobile de tout ça? Pourquoi on vous faisait ça? Bon, ils disaient qu'ils le font, c'est parce qu'on est parti à la manifestation. D'accord. Donc, tel que le président de la transition à l'époque avait interdit la manifestation, et vous, vous étiez parti, n'était pas content de ça. Est-ce que cela est exact? Président de transition, il nous a manifesté. Il n'était pas content de ça. Mais est-ce que le fait qu'ils aient à l'époque toutes les forces de l'État et qu'ils soient dans la dynamique de la répression faisait d'eux des super Guinéens par rapport à vous? Est-ce que koko be wade no dum don be l'État yimbe be nuno no way hare kambe be buri Guinéen be ben fo? Ah ouais. Non. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, vous avez parlé de Bégré, Sergent Paul et les Bérets Rouges. Au Bégré, Sergent Paul et Bérets Rouges, mais quand on voit là, Sergent Paul, il s'agit de Paul qui est là. Sergent Paul, quoi, Paul de Wondodo. Ah, Paul Wondodo. Oui, c'est le Paul qui est là. C'est bien lui. Okanko, Tigine. Okanko. Oui, c'est lui. Il a pris part aux tortues. Ottawa, non, et on a des lettres des tortues. Ah, Ottawa. Il fait partie. Bien. Et puisque vous avez passé 3 jours là-bas, lundi, mardi, mercredi. Le bal de tatouage d'Aton. Né, Tene, Talata et Alaba. Est-ce que vous avez entendu les surnoms Tanene? On a une des surnoms qui est Tanene. Non, mais non, je n'ai pas entendu ça. Lieutenant Tata. Lieutenant Tata. Non, mais non. Non. César. L'officier adjoint. Officier. Quand on est adjoint, César. Oh non, mais. Non. Dos. Encore une fois, on a cédé. Aha. Dos. Georges. Non, mais non. Non, je n'ai pas entendu ça. Mal sortier. Mal sortier. Non. Bala Keita. Non. Rambo. Non, mais non, allez, on l'a gagné. Adjudant So, Jo. Adjudant Jo. Non, allez, on l'a gagné. Je n'ai pas entendu des noms comme ça. Bruno. Non. D'accord. C'est seulement Bégré. Sergent Paul. Paul Mansa qui est là. Oui. Bégré. Et les Bérets Rouges. Et Paul Mansa Wondodo et Bérets Rouges Bébéné. Ah, quand même. Oui, c'est eux. Comment vous avez été libéré? On a besoin de quitter ma. Un côté là, mais nous, nous. Commandant Djogo, qu'on nous donne Bégré après au libéré là. Ouais, c'est mon grand frère qui a appelé un commandant qui était là, qui a appelé Bégré. Après, par suite, j'ai été libéré. Donc c'est grâce à cette intercession que vous avez recouvré votre liberté. Nous connons et acquitterma. Ben Walditiha et acquitterma. Ah, qu'on a Walditiha, mais il y a. C'est lui qui nous a dit jusqu'à ce qu'on acquitte. Et toutes les personnes qui s'y trouvaient avaient subi les mêmes sévices. On vous exposait au soleil autour du mal là-bas. C'est là-bas, on nous versait de l'eau chaude aussi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diallo. Oui. Vous avez été appréhendé dans l'enceinte du stade ou bien c'est à l'esplanade du stade que vous avez été pris? Yon ni procureur long be humpa kokander stade benangion kaka ka perolie soto no kaka yasi ay men ari fi yaltugol me ronki no me yaltira kambe nodduno men ari be jabi telephone jiding en boudi ding après be jawni men ka otoje. Ça a dit, quand nous sommes venus, on n'a pas eu la possibilité de sortir. C'est eux qui nous ont appelés. Quand ils nous ont appelés, ils ont pris l'argent, les téléphones, et ils nous ont fait monter dans les véhicules. Il était approximativement quelle heure? Ça, il y a un harigou, on y l'air homboni. Hôtel est 11h30. Environ 11h30. C'est dans quel type de véhicule qu'on vous a fait monter? C'était des véhicules militaires. Auto civil, cacos, auto sori, condu. Auto pick-up. Pick-up. Ah, c'était des pick-up militaires. Quand vous êtes arrivé au camp Koundara, vous avez trouvé autre personne là-bas, privée de leur liberté? Bayon yoti kankundara on tawno wobbe kadi soka no beton. Ah men tawno soka beton. Oui, on avait trouvé d'autres personnes là-bas. Après votre arrivée, d'autres personnes vous y ont trouvé? Wobbe kadi tawti on ne. Non, comme un groupe amen comme un long arduno. Bon, nous nous sommes. On men tawno wobbe ka salon kamen adano non hari wobbe go no soka ton kadi. Le salon où on nous a envoyé, il se trouvait que d'autres personnes y étaient enfermées là-bas aussi. La configuration de camp Koundara, y a une femme qui était venue ici avant vous, qui avait dit que c'était un bâtiment à étage.
vous, vous étiez retenu contre votre volonté à l'étage ou bien au rez-de-chaussée? Elle a dit que c'était un bâtiment à étage. Ma question est de savoir, lui en ce qui le concerne, lui et son groupe, est-ce qu'ils étaient retenus contre leur volonté à l'étage ou bien au rez-de-chaussée? C'est à l'étage. Alors, vous dites que vous n'aviez pas trouvé de femme là-bas. Non. Donc, il y a eu des viols pourtant à cet endroit, au camp Kundara. Vous n'aviez pas été témoin de ça. Vous n'avez pas entendu les cris de détresse de femmes pendant. Non, je n'ai pas entendu ça. Donc, en plus du rapt de vos biens, vos téléphones, votre argent, vous avez été torturé au camp Kundara sous l'œil vigilant de Begré et de M. Paul qui est ici. Oui, c'est ce qu'ils nous ont fait. Parlant de celui que vous appelez Sergent Paul, Paul Mansaki l'avocat, en ce qui le concerne, qu'est-ce qu'il vous a fait personnellement? Lui faisait descendre pour bastonner. Lui fait partie du groupe qui commet des bastonnades là. Il fait partie de ceux qui nous versaient de l'eau chaude aussi. Il venait la nuit parce qu'on était dans le même lieu. Il venait nous réveiller pour nous bastonner la nuit aussi. Cette torture-là a duré pendant 6 jours, vous avez dit, du lundi au samedi. Le lundi jusqu'au samedi. Et pendant les premiers jours de votre captivité, permettez que je le dise parce que c'est un camp militaire. Pendant les premiers jours, vous avez dit les 3 premiers jours, vous n'avez pas eu droit à une ration alimentaire. On n'a pas trouvé à manger. Begré était là-bas, Paul Mansaki Lavogui était là-bas. Ils ne se sont pas souciés de vous donner une quelconque nourriture pour ne pas que vous perdiez vos vies respectives. Non, il n'a pas fait ça. C'est un petit militaire qui est venu nous demander si nous avons mangé. On l'a dit qu'on n'a pas mangé trois jours. Après au tipi au harani chef de makogo on non ari au lundi même on yami mais il est 3 jours. Il est descendu, il a dit à un de ses chefs, il dit hey, vous avez mangé, nous dit ça fait 3 jours. Après il a tamihorde on au tipi au adani même on hay si goddo wadi masibo hon dum on doit jonne de kawnyama. Il a pris sa tête, il est descendu, il a dit hey, même si quelqu'un fait comme un dégât, il doit avoir le manger. Gila non, taï, et adanaï men joni kamenyam. Gila mercredi 14h, taï, et adanaï men kamenyam. À partir de ce mercredi 14h, on nous donnait à manger jusqu'à ce qu'on a quitté. Après l'appel de ce commandant dont vous parliez, c'est vous seul qui avez été libéré ou bien certains autres étaient sortis avec vous? Bah, on commandant, yo. Non, Harida, son wo sono yimbe no accitede mo kala sitayi fami mo on
waawi ɗumannaade ɓe noddude on tigi on ti yalta kono mi wonno yaltide gooto gooto noddaaɗo o yalta. Vous savez là-bas on laissait les gens comme ça. Si votre famille peut faire ce qu'il a fait, on vous fait sortir. C'est comme ça on nous faisait sortir une à une. Chaque personne sortie. Vous avez laissé des personnes là-bas? On a tué une bégote. Ah mais a tué une bégote. Ouais, moi j'ai laissé d'autres là-bas. Combien de personnes approximativement? On a un gelo. Non mais on a un gelo. Non, je ne sais pas c'était combien. Mais c'était plus de 5. On a revenu une. Ah mais vous les 5. Ça a dépassé 5. Vous connaissiez Monsieur Claude Pivi? Oui, non, on dit Monsieur Claude Pivi. Ah ouais. Non. Il ne vous a pas trouvé là-bas? Non. Aucune autre personne, enfin, je veux dire, militaire, policier ou gendarme, ne vous a trouvé là-bas pendant les 6 jours-là. Dembal de Diego, sorry, yo, woni police, woni gendarme, tawano on ton ne. Non, mais jawaino, Béré Rouge, bébé, mais jawaino d'autant. Le Béré Rouge, hey, montez là-bas. Il nous trouvait dans la salle. Donc il nous menaçait. D'autres nous insultaient. D'autres disaient qu'il allait nous défenestrer là-bas. Parmi ces Béré Rouge dont vous parliez, vous n'avez pas reconnu ne serait-ce qu'un seul d'entre eux? Non. Il venait en cagoulé ou bien à visage? Ils n'en faisaient pas. Vous n'avez reconnu personne? On nous répond en détail avec autre. Il était comme micro fille au hitomon. Merci, monsieur le président. Le parquet en a fini. La défense. Merci, monsieur les assesseurs. Je voulais demander à M. Diallo comment il est arrivé au stade. Oh, ben voilà, on l'a dit. On a eu tout donc à stade. Nous avons quitté Amdallah, nous sommes venus jusqu'au stade, nous sommes rentrés. Avec qui? Rombo. On était avec un groupe, on trottait à pied, c'est comme ça. Vous avez été l'un des premiers à accéder au stade avant l'arrivée des leaders et des Béré Rouge. Vous étiez quoi non attiré ou tu le donc à des leaders bébé et Béré Rouge. Non leader bego kuto mentai be wengkanong ko itaundi amingari. D'autres leaders on les a trouvés là-bas et d'autres nous ont trouvés tels que Wano Monsieur Jean-Marie Doré. Comme Monsieur Jean-Marie Doré. Quand il est arrivé, il nous a trouvé dedans. Oui, il a été le dernier des leaders à accéder au stade. Au camp que le leader Sakitoro n'a tout dedans. Quels sont les leaders que vous avez trouvés en place? Le leader ben on bêta on a donné donc. Mais wa wa non du leader ben fou. Bon moi je ne suis pas du leader ben bai. Je n'ai pas pu reconnaître tous les leaders là-bas parce qu'ils étaient en haut, nous on était en bas là-bas. D'accord. Quand les tirs ont commencé, vous étiez dans l'enceinte du stade? Quand les tirs ont commencé, on a cherché à partir. Pour recevoir en bas là-bas, mais là-bas c'était bloqué. Non, est-ce difficilement que c'était dans le stade quand les tirs ont commencé? Ari donc à stade, fendo, fendo. Ah, il fait le dernier, mais on était dedans. Bien. Est-ce qu'il avait prié sur la pelouse? Est-ce qu'on a un jour dans la pelouse? Non, mais jour là, on dit. Non, moi, on n'a pas prié. Est-ce qu'on a tiré sur un manifestant à bout portant qui était à côté de lui? Est-ce qu'il avait fait le goto wondo takoma? Non, mais non. Je n'ai pas vu. Derrière, devant, à gauche, à droite. Yes, au bas, au nano. Non, mais non. Je n'ai pas vu ça. Mais il y a tout le monde qui est stade. Et voilà tout le monde qui a pris copie de Nabi. Parce que nous, notre sortie du stade, ils nous ont embarqué dans les pick-up qu'on nous a envoyés. Donc vous avez été l'un des premiers à vous tirer d'affaire.
kono woni addo adonobe yaltude be non ouais mena me yangi no hasime waawi yaltude non on a souffert beaucoup avant de sortir il n'est pas par quel miracle parce que c'est des tirs dans tous les sens warno felle de nokku ko kono yaltir don to mono andi mena ba me yayi me yangi ke ha me ronku no me yaltira ko sori be won bereru do wonno be ka duma don ko ben don noddi men be enio men ar et j'ai le téléphone jiding en boudding après j'ai un carton quand on s'est battu difficilement on n'a pas pu sortir c'est les Béré Rouges qui nous ont dit hey, venez quand nous sommes venus ils ont pris l'argent ils ont pris nos téléphones ils nous ont fait monter c'est eux d'accord donc il y a certains Béré Rouges quand même qui ont joué à l'aide au sentiment Béré Rouges après yaltu do be jawno on tikapi kopje c'est comme ça et nous ont appelé les véhicules étaient garés celui qui sort on le fait monter dans le véhicule vous étiez au nombre de combien dans le véhicule en konjelo wonno ka wototo mais il y en a 15 ha yeso on ça peut arriver 15 jusqu'au devant c'était dans leur véhicule ka automat be ka automat be oui andi be walli wobbe lei be dewti men menen hakunde D'autres étaient mis en bas, nous, à l'intermédiaire, et d'autres étaient sur nous. Ce véhicule, c'était un véhicule militaire. Encore auto militaire. Ah, encore auto militaire. Oui, auto sordien. Mm-hmm. Oui. C'était à quelle heure? L'heure homme. 11h30. Direction la ville. Kundara. Oui. Ardon Sare. Kundara. Avant, est-ce que vous connaissez Kundara? Waridongandi on Kundara. Adongandu no tom. Non. Première fois. C'était la première fois. Il n'y avait pas de femme parmi vous. Non. Il n'y avait pas de mineur parmi vous. Non. Il n'y avait pas d'infirme parmi vous. Djukube kadiala. Non. Et des blessés. Donc ceux qui étaient en haut du Tikop, d'autres ont été attachés. L'autre, il a été attaché ici jusqu'à ce qu'il y ait des blessés ici. Monsieur Bekre, vous l'avez vu au stade? Monsieur Bekre a eu dans mon stade. Non, mais il y a dans mon stade. Je ne l'ai pas vu au stade. Celui qui donnait l'ordre de nous faire descendre, nous passionner. Parfois, il était assis là-bas. D'accord. Donc, lui vous a réceptionné dans son camp de Kundara. Oui. Alors, est-ce que ce sont ces hommes qui sont partis pour chercher au stade? Est-ce que Koyimbe Begri Ben Yehani Onka stade? Non, ça je ne sais pas. Yeah. Est-ce que vous avez vu physiquement notre feu Bégré? Oui, je l'ai vu physiquement. Un jour, on nous a fait descendre pour nous bassonner, il était assis là. Il était gros, grand. Toujours armé. Entouré de plusieurs bérets rouges. Bérets rouges, oui. Beaucoup de bérets rouges. Mais il était sadique. Sans pitié. En tout cas, il nous disait chaque jour de nous envoyer, de nous passionner 50 coups. Vous avez vu le commandant Toumba au stade, vous personnellement? Vous citez un le commandant Toumba au stade? Non. Non. Yeah. Alors, lorsque vous êtes arrivé au camp Kundara, dans votre lieu de séquestration, est-ce qu'il y avait des femmes là-bas? Non, il n'y avait pas de femmes. Au stade, est-ce que vous avez vu des femmes en train d'être violé? Non, Miyal. Je n'ai pas vu ça. Merci, Monsieur le Président.
Il n'y a plus de questions. Parti civil. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Abdoulaye Diallo. Oui. Vous avez dit que, d'abord, est-ce que vous avez été blessé au stade quand vous êtes arrivé, à votre sortie, pardon? Est-ce que vous avez subi des blessures? Oh, c'était qu'à stade, ton. Il y a le on a eu un bar, mettons. On a eu un Oui. Non. Vous avez parlé d'un. C'est un pick-up qui vous a transféré du. D'abord, à votre sortie, on a voulu dire que les bérets rouges qui vous ont arrêté étaient des gentils. Est-ce que c'est de la gentillesse que de prendre vos téléphones et de vous embarquer dans un véhicule pour vous faire torturer au camp Kundara? Bere rouge be jappuno be en wo ko yimbe modjube est ce que dum don ko e modjere tawa argol jatta telephone goddo go na e modjere na modjere modi wadu ka telephone akuma do yewtu do na e modjere ça c'est pas du bien ça c'est pas du bien eux qui vous ont conduit dans ces pick-up et après vous avez été amené au camp Kundara ina kambe wadi on ka te pick-up don nabi on camp Kundara ne au kambe ouais c'est eux très bien. Vous avez parlé de quelqu'un qui avait été attaché. Est-ce que vous savez la raison pour laquelle on avait attaché? Oh, aini goddo go habbano don. Anda ko fi on dum be habirno mo kanko. Andi wana wonno be dowben. Bon. Kapikop wal hari be pide ben non. Donc vous savez comme ce qui était en haut dans le pick-up là, il bastonnait ce là. Attendez, vous dites que pendant que le véhicule roulait, ils administraient des coups à ceux qui étaient sur dans le pick-up aussi? Avala inu defendo oto on doga takambe arbe pide imbe ben do ton. Ah, wono be do ben andi ko group tati. Be adu be lei, be wadi be menen hakunde, be wadi be do. Wano do, wano be do. Bastone, kan le pick-up, c'était trois groupes. D'autres étaient en bas, nous, on était à l'intermédiaire, d'autres étaient sur nous aussi. Les gens qui bastonnaient et qui vous ont transporté, c'était des bérets rouges ou c'était des gendarmes? Ben wono be pide. Ben nabuno be yonde ko bere rouge be ka ko gendarme be ko bere rouge be c'était des bere rouge. Donc c'est au camp Kundara probablement ils ont quitté pour aller au stade. No gasa are kambe ko camp Kundara be wi be yeyi stade perpétrer les massacres, arrêter des gens et puis les conduire dans leur base. Masibina yimbe yetta be kadi nabare be ka base mabbe. Ah non mais anda ko bon, ça je ne sais pas. Est-ce que ceux qu'on bastonnait là c'est parce qu'ils résistaient ou c'est parce que c'était le simple fait, c'était un plaisir pour ces agents de les bastonner? Ben bébé pié no kofi ben no hare no darti be ka hare welu be tungu be pibe. Hay goto hare ala darta de hare men fumé de dini men no man ni kono hare be pide tun. Mais personne ne les résistait, on était tous calmes, quand même on les bastonnait. Vous avez parlé d'une quinzaine de personnes dans un pick-up. Est-ce que vous n'étiez pas parqué comme des sardines? On indi wono harno buri wo sappo en jo ko wonno ka duma harbe pakirano wo sardine ko paku gol groupe tati wo be lay wo be hakunde wo be do. Je vous dis trois groupes, d'autres en bas, l'autre l'intermédiaire et d'autres étaient superposés sur nous. Arrivé au camp Kundara à l'aide de quoi on vous torturait? Ene ko hondum be lay tire non ko pore be yatano be piamen. Des caoutchoucs avec de l'eau chaude. Ils disaient aussi de se bagarrer entre nous aussi. Ils montaient sur nous aussi. Donc ils vous ordonnaient de vous boxer entre vous. Oh ben on ont dit yon pire hakune mo. Hakune ami. Oui. Maintenant ceux qui refusaient, ils étaient punis aussi ou c'était quoi? Mon diable le pire des donc kadi be pie le te otine. Et pie yonti. Ouais, on allait tout bastonner aussi. Très bien. Et à part les traitements humiliants et dégradants, est-ce qu'on vous injuriait aussi? Sina hare din koko be aibini on don be pie on. Est-ce que hare be yenne non kadi hoire? Ah ben yenne. Yeah, ils insultaient. Très bien. Parlant justement de sergent Paul, est-ce que vous confirmez que chaque nuit, il venait vous réveiller pour vous empêcher de dormir après les séances de torture de la journée? Aujourd'hui, il y a eu un sergent Paul. Il n'y a pas eu de temps à faire au pire en nez. Ah, au pire. Oui, il le faisait. Il a déclaré à cette barre n'avoir pas
assisté aux séances de torture. Est-ce que cela est une vérité? Non, il m'otawa. Non, il fait partie. Là où il était, dans le salon là, nous on était là-bas, c'est le même lieu. Donc il y a une pièce au milieu de ce salon où dort Sergent Paul Wuyuno. Donc on a dit que salon donc Kaibor Rondon, Kanko Walo, ne? Ah, nous on dit. Oui, il y en a. Quand il dit à cette barre qu'il était le piquet à la rentrée, est-ce que ça c'est une vérité? Kanko Soyini, Kanko Piquet, Kakadamalo, Kanko Gonga. Ce n'est pas vrai. Pendant les 6 jours de votre séjour en captivité, je vais utiliser l'expression du procureur, est-ce que toutes les nuits il venait dormir dans cette pièce? Wana bal bere balde Diego ko wado ton donkon. Im balde Diego fo ware o jod o walo ka kayboru ka wonno do ne. Ah ware walo. Wa il venait dormir là-bas. Très bien. Donc il a effectivement participé aux tortures, vous le maintenez et vous dites. Wono woni agiri tike ko kambe tigi o tawa mo tawa no e wado be lette be. Kanko burno me sonjule non. Et celui qui nous emmerdait de plus. Je vous remercie, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Monsieur Diallo, oui. Monsieur Paul Mansa Guilavogui a déclaré dans son procès verbal d'interrogatoire ce qui suit. C'est dans une grande salle qu'on regroupait les gens. Tout se passait en ma présence. Si je suis mis en face de ceux qui étaient au Kamakambo, je peux les reconnaître. Si je dis qu'il n'y a pas eu de torture au Kamakambo, j'aurais menti. Mais à dire que moi j'ai torturé, c'est faux. On faisait exposer des gens sous le soleil. Quand le chef donne des ordres, on ne peut pas ne pas le faire. Min simiinuno lette ala kawade de ton. Wa wata wonde ko hareena gonga. Ton be yaltine no yimbe ben be lili na beni. Be wada be die wulde kono koko mi woni wonde do kon faux. Min on mitawaka kono si oti yamirama fere ala beni oda kono wo kanko Paul Mansa Diaw gila wo tawaka imo tawa il fait partie. Est-ce que cette déclaration ne vient pas conforter la vôtre à cette barre? Est-ce que koko yewti do gonginali fayda kongol mangol do kanko ko woli ko ah no gongini ba himo tawa. Bon, ça conforte parce qu'il fait partie. N'est-ce pas un aveu de sa part? Non, on dit qu'il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Est-ce qu'à travers cette déclaration, il n'a pas reconnu les faits mis à sa charge? Est-ce qu'il fera que le fait de la famille est un jabi haré mo wadi du? Oui, il n'y a pas de problème. Ah bah il motawa comme il faut aller. Oui, c'est parce qu'il fait partie, c'est eux tous. Monsieur Diallo, est-ce qu'on peut être plus royaliste que le roi? Goddo no wawi kongol makko ura kongol landon ko yewte ko landon yewti kom. Ah ouais. Ah non, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous sollicitez de ce tribunal? Goddo lando to donc tribunal. Ah donc ko fi wata Guinée, il faut goto wata torturer wata sonje fifa kamen sonja donc. C'est à ce que aucun Guinéen n'arrive à être torturé. Avoir des sévices pareils que nous avons eu, c'est ce que nous allons demander au tribunal, que plus jamais ça. Pour vous, qui est responsable de ces massacres? Ene, di sonja di masiba di foko oni nene hore dun. Encore. C'est les chefs, ceux qui commandaient le pays. Monsieur Diallo, un nom, s'il vous plaît. Oh, Inde Goto, Vlad Lando. Ah, le président. Moussa Dadis. Camara. Le président Moussa Dadis Camara. Je vous remercie. Merci, monsieur le président, honorable assesseur. Monsieur Abdoulaye Diallo. Oui. Les téléphones que vous possédez, c'était un seul téléphone ou bien deux téléphones qu'on vous a retiré? Un téléphone du mot Innata. Le téléphone Goto, quand il dit qu'il y a des habitants, Goto. Un seul téléphone pour lui.
Il a déclaré ici qu'on les a privés d'eau et de nourriture pendant 3 jours. Il nous a donc bétalé nos ondiens et n'y a mette ou nos balles de tête. Non, ondiens on a nos odi. Non, l'eau, ça, il y en avait. Il y avait l'eau, mais on les a privés de la nourriture. On a qu'on y a mette ou bétalé nos. Ah, n'y a mette ou. Oui. Est-ce que si on prive quelqu'un de la nourriture pendant 3 jours, c'est pas une manière de le tuer? On se met dans les bandes de tête, on se met dans les bandes de tête. On est dans les bandes de tête. Ah, quoi, on est dans les bandes de tête? Oui, c'est pour tuer la personne. Si, par exemple, la personne a une maladie qui l'impose selon les prescriptions médicales de manger pendant toute la journée, de façon continue, et qu'on arrive à lui priver de l'eau, la nourriture, est-ce que ce n'est pas une manière de le liquider? Est-ce que si on est, on a un peu de temps, est-ce que vous savez que Paul Mansa Kilavogui, il a été le 11e accusé à comparaître à cette part? Aussi taille dans le Paul Mansa Kilavogui, quand on dit ça pour le Wabo, Ardo Yehouti Kapardo. Ah, Mindari Mosella. Oui, je l'ai regardé un peu. Est-ce que vous savez qu'il était devenu bravo en niant les faits de Kokankoharé, Kankoworno, Kumalodio, Yetuko Wadiko? Oyedduno de bay mo andi ka motawa e wadugol piji din fow don mié parce que il sait que tout ce qui s'est passé là-bas en matière de tortue il faisait partie. Et il a dit que au camp Kundala il a eu plusieurs bébés rouges. Il y avait des bébés rouges wa ini ka camp Kundala don mo yi be buy be wo pour no bébé rouge. Ah, bébé rouge be buy alors. Est-ce que il sait que dans le cordon sécuritaire de la protection physique du chef de l'État, Kundala est la garde éloignée. Aussitôt, Andy, Telema, qui est le président, Bere Rousbebe, Kundala no tawa et Mabekonoko, garde Ibe, Wodit Ibe. Non, ça, je ne savais pas ça. Donc, c'était parce que les lieutenant Kumba Djakité, avec sa section, est. Colonel Claude Pivi, avec l'artillerie, les blindés, constituait la garde immédiate du président Dadis. Vous le savez? Oui, c'était dans le commandant Toumba Djakité et Yimbe Makobin et Pivi Kadi et blindés de Makobin. Ben Wono Kohiwi, président, mon garde de Makobin, Tigitino. Non? Ah, mais les gens ne disent non. Ouais, ça, on connaît ça quand même. Vous avez déclaré ici, on vous a posé une question selon laquelle. Est-ce que vous avez vu des femmes là-bas qu'on violait? Il a dit qu'on doit citer qu'on y n'aurait pas qu'on les violait. Ah, oh, ouais. Non, je l'ai dit, je dis non. Certainement, il y avait des femmes dans d'autres appartements, mais lui ne pouvait pas voir, n'est-ce pas? Non, le gars, ça a l'air, mais non, non, ça peut être parce que là où on y était, il n'y avait pas de femmes. Est-ce que, avec les tortures qu'il a subies aujourd'hui, il a toujours mal et il continue à se soigner? L'aide que vous voyez, on a Johnny, nous n'avons pas eu aussi de battre, nous n'avons pas eu Johnny de Nyangon. Adion ba ngom Moussa Lamba il nous met tant pinano do moja. Eh, jusqu'à présent le dos là ça me fait mal parce que moi j'ai beaucoup souffert là-bas. Eh, monsieur Abdoulaye Ba, Abdoulaye Diallo. Oui. Vous êtes arrivé au stade ce jour-là à quelle heure avant que vous ne soyez arrêté? Au à 10h11, mais 10h. 10h11. Il a été arrêté à quelle heure? 11h30. Merci du courage, toute ma compassion. Je vous remercie, monsieur.
qui est inhumain et dégradant, Paul Mansa Kilavogui indique avoir été un bienfaiteur pour les personnes torturées. Arrête. Et bah, on peut y aller. L'être qu'on va dans le Massiba du Koyou dans le monde, Paul Mansa Kilavogui n'y canco. Otawana ko dun kanko ko mo ere tum o wadana eno wo ya e be tombe. Avez-vous vu monsieur Paul Mansa Kilavogui apporter du beurre de karité pour les personnes qu'il a lui-même torturé? On yi ma Paul Mansa Kilavogui wo kanko goddo go no nawno jungo mako no Musa mo wo nabani mor kare ne bankare ko wuja. Ouais. C'est pas vrai. Je vous présente toute ma compassion. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, j'ai une ou deux petites questions à poser à Monsieur Diallo. Monsieur Diallo. Oui. Quand les bérets rouges vous ont fait appel, au moment où vous étiez en difficulté, au moment où vous cherchiez à vous sauver, qu'est-ce que vous aviez pensé au départ? Bay béré rouge bébé nodion fendo ka hatondin gol hatondin non yaltugol fendo ka fala don modi dandude wonki monji wonno no firno ba e modon bay be nodion kun sayondo mene non hali me welti ke men inni joni abe wallahi men me yalta woni. Non, nous, on était content en ce moment-ci parce qu'on a pensé qu'ils vont nous aider pour sortir de là. Bien. Jusqu'au moment où on vous embarquait, vous aviez cette confiance en vous. Oh, Harry, donc, on va nous dire que je suis en train de faire ça. Ah, mais il y a des gens qui sont en train. Parce que nous, on pensait que si on sortait là-bas, chacun allait partir chez lui. Donc, ce comportement des bérets rouges ne peut être assimilé qu'à une non-accommodation, qu'à la non-assistance de personnes en danger. Nous, on est bérets rouges, mais on y a da, on a eu de, mais voilà, les gottogo, fendo kamapi. Ah, ben voilà, les mêmes. Non, ils nous ont pas aidés. Hein. Bien. Vous habitez Hamdallah. Donc, on dit Hamdallah, non? Ah, Hamdallah. Hamdallah, oui. Vous avez quitté votre domicile à quelle heure pour être on au stade? Quand on doit partir, donc, il y a au Golka Stade. 9h30. Donc, vous étiez à l'intérieur du stade quand les tirs ont commencé? Ah, donc, à terrain, Oui, on était dedans. Vous ne pensez, vous n'avez pas un ami qui a été victime des balles? Et corrige mon moyen de donner à Goto Fella Katon. Ah, Fella Kadi. Non, non, non. Ok. Je vous remercie beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Diallo. Oui. Monsieur Paul Mansa Kilavogui a dit ici qu'il. Au contraire, qu'il a apporté secours à ceux qui étaient séquestrés au camp Kundara et qu'il leur a donné du karité pour atténuer leurs souffrances. Est-ce que vous avez eu à bénéficier de karité venant de ce monsieur-là? Oh, Paul Mansa Kouinido, quand vous avez dit que 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 vous. Ah bon? Vous n'avez jamais bénéficié de beurre de karité de sa part? Non, il ne nous a pas donné ça. Mais finalement, Monsieur Diallo, vos déclarations ici et les déclarations de Monsieur Kilavogui qui est aujourd'hui dans le box des accusés, est-ce que cela ne signifie pas que vous êtes la preuve vivante que les séquestrations ont existé? Les tortures ont existé et que même les disparitions forcées ont pu exister. Parce que dans ce camp militaire-là, qui n'était pas un lieu de détention,
il n'existait même pas de carnet, en tout cas pour savoir qui est arrivé, qui est parti. C'était vraiment des zones de non-droit où l'illégalité s'est perpétrée. Est-ce que finalement vous n'êtes pas une preuve vivante que tous ces actes-là ont eu lieu finalement? Oh, non, Congol, ma Congol, et Congol, Congo, Congo du monde, donc est-ce que Dumfira, on en connaît, qu'on sait des bêtes, l'être bouillé ou dit-on, ça vous en candon. On quand on voit raca don fille ou bon maro et imbeben ina tribunal non ina commissaire ina gendarmerie est-ce que ina on en voit c'est des haris pigi oui ou bien il fait ika on quand on I had got ni me yo coming in kabeni yo me wad wo yo me wad parce que sinon nous wa me wad de kabe fala me wad de wo hai got au sous sa wolde. Il y a quelqu'un même qui nous a conseillé là-bas, tout ce qu'on vous dit de faire, faites-le. Parce qu'ils vont vous faire quelque chose ici. Personne d'autre ne peut intervenir. Donc vous aviez peur. Ah, donc, holy. Ah, oui, on avait peur. Vous aviez peur pour vos vies. Ah, donc, holani, on a dit qu'on qui naît. Bon, on avait peur. On ne savait même pas là où on nous a envoyé. On ne savait pas. On ne connaissait pas là-bas. Ok. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Diallo, j'ai une question à vous poser. Oui. Monsieur Diallo, est-ce qu'on vous a arrêté avec les armes de guerre pour qu'on vous apporte au camp? Ou est-ce qu'on n'a pas dans le pinkage, c'est bien là-bas en cacan? Oui. Non. Vous n'avez pas été arrêté avec les armes? On n'a pas dans le pinka. Non, non, non. Merci. L'audience est suspendue. Mesdames et messieurs, l'essentiel de ce qu'il fallait retenir de cette 77e jour d'audience au palais de justice de Conakry, vous avez compris, nous avons franchi le cap de 6 mois d'audience ici même dans ce procès ministère public contre l'ancien président de la transition, le capitaine Moussa Dadis Camara et quelques 11 autres, avec aujourd'hui la poursuite de la valse des comparitions des parties civiles. Elles sont très nombreuses à apporter des témoignages croisés qui suscitent ici des débats houleux et académiques. Des débats de droit, des débats justement de témoignages contre témoignages. C'était au tour aujourd'hui d'un des gardes rapprochés de l'ancien du président Sellou Dalein Diallo d'apporter son témoignage. À la barre, il indique avoir vu et entendu le colonel Moussa Tiégro Camara donner des instructions de tirer sur la foule et d'épargner justement les leaders politiques. Un témoignage qui a suscité ici des débats très très houleux. En tout cas, les partis ne lésinent pas sur les moyens pour tendre, n'est-ce pas, à mettre en charge et d'autres aussi pour disculper. C'est cela aussi le procès pénal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir pratiqués. On poursuit et on suit justement ce procès avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Vous êtes sur la RTG et merci de nous avoir pratiqués.